de l'argent, n'est-ce pas? Eh bien, vous devez avant tout garder l'esprit ouvert. Vous devez vous tenir au courant de l'évolution des affaires, ou vous resterez derrière. De mieux que de pouvoir identifier les chemins menant aux choses que vous désirez le plus dans la vie. Si vous pouviez déceler les indications, les tendances avant qu'elles ne se manifestent et ne pas laisser passer les bonnes occasions qui se présentent. La bonne nouvelle est que le périple n'est pas terminé. Tout change continuellement, ce qui signifie qu'il y aura toujours des occasions extraordinaires d'améliorer la qualité de votre vie. Nous avons tous rêvé les mêmes projets, le bon travail, et sa maison, de faire des étendres et de passer du temps avec sa famille et ses amis. Au fil des années, ce rêve est devenu plus difficile à réaliser, mais prenons la peine d'examiner les options qui étaient disponibles. Dans le bon vieux temps, un employé faisant du bon travail et faisant preuve de loyauté pouvait gravir les échelons de l'entreprise tout en jouissant d'une grande sécurité d'emploi et en espérant une bonne retraite. De nos jours, avec tous les licenciements, les chances de rester dans la même entreprise jusqu'à 65 ans sont minimes. Time Magazine estime qu'en Amérique du Nord, il se perd plus de 375 000 emplois par an et que cette tendance va continuer pendant les 5 prochaines années. Les privilégiés qui garderont leur emploi devront s'attendre à travailler beaucoup plus, avec peu ou sans rémunération supplémentaire. Il y a bien entendu la possibilité de lancer sa propre affaire. Il ne faut pas néanmoins regarder bien loin pour découvrir qu'une affaire ou une franchise représente de gros risques. Et si l'on en croit l'Office américain des PME, plus de 62% des petites entreprises échouent dans les 6 premières années. Le capital de démarrage et les frais généraux sont souvent trop importants pour qu'une nouvelle entreprise puisse survivre. Bien que la plupart des franchises offrent une formule garantie, ce sont en général celles nécessitant un gros investissement qui limite effectivement les risques. Tout le monde connaît des franchises qui marchent, mais très peu disposent du million de dollars nécessaire pour en acheter une. Une autre tendance est en train de se développer du fait que chaque année, des millions de personnes prennent leur destinée en main en lançant leur propre affaire. Une étude effectuée par la firme Roper a estimé que plus de 45 millions de personnes travaillaient à leur domicile. La plupart des experts pensent qu'en l'an 2000, 40 à 50% de la population active des États-Unis et du Canada travaillera chez elle. La commodité, les frais généraux peu élevés et les avantages fiscaux rendent le travail à la maison particulièrement attrayant. Si l'on considère que tout le monde se plaint de ne pas avoir assez de temps, il n'est pas étonnant qu'une nouvelle tendance se soit développée, une tendance appelée « cocoonage ». Ce terme s'applique aux gens qui trouvent le moyen de se procurer les marchandises et services dont ils ont besoin, sans quitter leur maison ou leur bureau. En réponse à cette tendance, les entreprises qui distribuent efficacement des informations, produits ou services directement aux consommateurs jouissent d'un énorme succès. Il n'est donc pas étonnant que Success Magazine affirme que la distribution sera la clé du succès dans les années 90 et que les gens capables de trouver de meilleurs moyens de distribution feront fortune. Des milliers de personnes à travers le monde sont en train de découvrir une industrie qui tire le meilleur parti de ces tendances des années 90, une industrie appelée « distribution par réseau ». Le mot « réseau » signifie un groupe ou système interconnecté, alors que le mot « distribution » signifie la commercialisation de produits. Ces deux mots ensemble définissent clairement une industrie qui va s'accroître énormément au cours des 10 prochaines années, offrant des possibilités extraordinaires pour des entreprises et des particuliers. Les grosses sociétés américaines reconnaissent même le potentiel de cette industrie. Des entreprises telles que Gillette, Firestone, Sprint, MCI, General Electric, Coca-Cola et IBM utilisent certaines formes de distribution par réseau. William Pliketis, chef de groupe chez Sprint, affirme qu'il n'y a pas de meilleur moyen de mettre un produit dans les mains des consommateurs. Oui, j'ai entendu parler de cette affaire, mais je ne sais pas comment ça marche.
Dans une entreprise traditionnelle, une bonne partie du prix payé par le consommateur pour la plupart des produits et services va aux intermédiaires qui s'occupent de la distribution et de la promotion du produit ou service concerné. Lorsqu'une entreprise décide d'utiliser la distribution par réseau pour ses produits, les frais liés aux intermédiaires sont pratiquement éliminés. L'entreprise peut ainsi vendre ses produits ou services directement à un réseau de distributeurs indépendants qui, à leur tour, vendent ses produits ou services directement aux consommateurs. Cette formule permet non seulement à l'entreprise de maintenir des prix concurrentiels, mais elle permet aussi de transférer une grosse partie de l'argent qui normalement va aux intermédiaires directement aux distributeurs indépendants sous forme de boni. Chaque distributeur indépendant est en fait un partenaire de l'entreprise, mais c'est l'entreprise elle-même qui couvre les frais de recherche et développement, de fabrication, d'emmagasinage, d'emballage et d'administration. De plus, les distributeurs bénéficient d'un énorme soutien en termes de formation personnelle et de matériel publicitaire. Les distributeurs indépendants sont donc en affaires pour eux-mêmes et non par eux-mêmes. Dites-moi, quel genre de personnes s'intéressent à cette affaire? Quels que soient les antécédents, le niveau d'éducation, la profession actuelle ou le style de vie, la distribution par réseau présente des avantages pour qui que ce soit. Des médecins, juristes, dentistes, enseignants ou cadres considèrent tous cette industrie comme une source de revenus très flexible, n'affectant pas leurs activités professionnelles régulières. D'autres personnes choisissent cette industrie comme carrière à temps plein et considèrent la distribution par réseau comme le meilleur moyen d'atteindre leurs objectifs financiers. Est-ce que ça ne serait pas une opération pyramidale, par hasard? Beaucoup de gens associent le terme pyramide à des opérations contraires à la morale ou même illégales qui ne vendent pas vraiment des produits ou services, mais permettent à quelques personnes de s'enrichir rapidement en recrutant d'autres personnes dans leur programme. Heureusement, les lois sont devenues plus sévères au cours des années et les opérations pyramidales illégales ont été pratiquement éliminées. Ironiquement, cette structure pyramidale que nous avons tendance à mépriser est en fait celle d'institutions que nous connaissons bien, telles que les écoles, les églises, les gouvernements et en particulier les entreprises. Le problème lié à la structure pyramidale des entreprises est qu'elle limite le niveau de salaire et le poste qu'un employé peut atteindre. Le chemin se rétrécit au fur et à mesure que l'on monte dans la hiérarchie et il faut se démener pour garder son poste une fois que l'on y est arrivé. La distribution par réseau donne à tout le monde des chances égales d'avancement, quels que soient les antécédents, l'ancienneté, l'âge, le sexe ou l'origine ethnique. Les possibilités d'atteindre le sommet sont sans limite. Dans ce type d'affaires, votre plus grande réussite consiste à promouvoir le succès des autres membres de votre organisation. Dans son livre à grand succès, Megatrends, John Nesbitt affirme que dans la distribution par réseau, la réussite consiste à donner du pouvoir aux autres et non pas à les écraser. Je n'ai pas le sens des affaires et je n'ai aucune intention de vendre à mes amis. Est-ce que vous avez déjà recommandé un bon film à quelqu'un? Et si cette personne voit et aime ce film, elle va probablement le recommander à d'autres. Votre recommandation initiale peut à la longue inciter des dizaines ou même des centaines de personnes à voir ce film. Ne serait-ce pas épatant si le gérant de la salle de cinéma vous donnait un pourcentage du prix des billets que vous avez aidé à vendre? Cet exemple explique pourquoi la distribution par réseau marche aussi bien. Tout simplement, vous commencez à partager avec d'autres les produits ou services auxquels vous croyez et votre réseau de distribution commence à croître. Vous vous rendrez vite compte que la plupart des gens qui achètent vos produits ou services et qui travaillent dans votre organisation sont des gens que vous ne connaissiez même pas quand vous avez lancé votre affaire. Est-ce qu'on peut vraiment se faire de l'argent dans cette affaire? Le plus gros potentiel de croissance à long terme dans la distribution par réseau réside souvent dans les entreprises distribuant une gamme étendue de produits de consommation. Lorsque les distributeurs paient le prix de gros pour des marchandises ou services qu'ils achèteraient de toute façon, ils investissent dans leur propre affaire plutôt que dans celle de quelqu'un d'autre. En vendant des produits ou services directement aux consommateurs, le distributeur peut immédiatement faire de gros bénéfices. Mais son potentiel financier véritable consiste à développer son propre réseau de distribution. En ajoutant des personnes clés à votre organisation, celles-ci reproduisent vos efforts, accroissant ainsi votre réseau de distribution et vos bénéfices. Vous vous rendrez vite compte que la plus grande partie de votre revenu provient des membres de votre réseau, dans votre pays ou même dans le monde entier. C'est sûr, j'aimerais bien arrondir mes fins de mois, mais je n'ai pas vraiment le temps de monter ma propre affaire. Comment se fait-il que beaucoup de gens manquent de temps? La raison en est probablement qu'ils reçoivent une heure de salaire pour chaque heure de travail. Même les membres des professions libérales fonctionnent de cette manière.
Ils peuvent avoir tout l'argent dont ils ont besoin, mais ils n'ont ni la liberté ni le temps d'en profiter. Heureusement, il est possible d'avoir les deux, le temps et l'argent. La distribution par réseau permet de multiplier votre temps en produisant un revenu continu sous la forme de boni liés aux efforts des autres, vous laissant du temps pour faire autre chose. La reproduction des efforts permet à une affaire à temps partiel de produire un revenu à temps complet. Pour la plupart des gens, le moyen de poursuivre leur rêve financier est difficile à trouver, mais il n'existe à présent aucune possibilité d'affaires aussi attrayante que la distribution par réseau, pour ce qui est d'aider les gens à découvrir leur propre chemin vers le succès. Bien souvent, la distribution par réseau ne nécessite qu'un petit capital de démarrage et les frais généraux sont minimes. Vous travaillez à votre compte et vous décidez quand vous voulez travailler et pendant combien de temps. Votre affaire à temps partiel peut vous fournir un excellent revenu supplémentaire sans affecter vos activités professionnelles de base ou votre style de vie. Pour ceux d'entre vous qui envisagez la distribution par réseau comme une carrière à temps plein, le revenu potentiel est sans limite. L'aspect le plus important est que cette industrie attrayante aide les gens à jouir du temps libre et de la sécurité financière auquel aspirent la plupart d'entre nous. Si vous désirez vraiment réaliser vos rêves financiers, la distribution par réseau est le tournant que vous ne voudrez pas manquer. Ce qu'on a vu, c'était une option au système connu qui est de travailler 40, 45 ans. On avait déjà constaté ce que ça pouvait donner. Tout ce qu'on avait à faire, c'était de regarder autour de nous. Notre style de vie, c'est quelque chose d'excitant, pas seulement pour le matériel, mais pour le temps qui est à notre disposition, comme se réveiller le matin et se prélasser dans notre lit plutôt que d'en sortir. Vous bâtissez un commerce dont l'organisation ne ralentit pas, même si vous, vous ralentissez vos activités. Tous ceux que vous aidez à atteindre leurs objectifs ne ralentissent pas. Je crois que c'est une réponse au défi de la plupart des gens, pas seulement face à leur situation financière, mais aussi dans leur vie sociale. L'amitié, la reconnaissance, le partage, le souci des autres, la compassion, tout ça, c'est du vrai. Dans cette affaire, on cherche des gens qui n'ont pas nécessairement besoin de plus d'argent, mais nous recherchons des gens qui désirent davantage. Et c'est la raison pourquoi on l'offre à chaque personne, on l'offre à tous les gens, et c'est à eux à faire le choix. Et en tant que couple comme nous, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut développer on peut répondre aux mêmes défis, on peut trouver les mêmes rêves, les mêmes objectifs. C'est ce qui nous permet de se développer comme couple, puis de communiquer ensemble, puis de se concentrer sur les mêmes choses. Et ça, c'est important, c'est très important pour bâtir un couple très fort. Changement, ça serait bon de changer vos produits pour des produits écologiques. Si vous voulez devenir consommateur client, c'est pas dur, changez vos produits pour les miens. Ils sont économiques et c'est bon pour votre portefeuille, la santé des enfants et la vôtre aussi. Et les produits tout usage, le soin personnel. Alors merci et soyons verts.